sympa la moto. C'est pas mon style de moto. Fait longtemps j'ai pas fait un journal de bord. Ah, c'est fini l'époque des journaux de bord. Il y aura bien un jour un autre journal de bord. À bord de quel Titanic parle-t-il, celui-là? Cinq quarante-sept. C'est un nouveau matin. Loin de mon fils. Un jour, juste, il que fait-il donc de sa vie là? Juste l'envie de chanter. Faux. As-tu tête pour créer le son du futur blabla? Il est faux, celui-là, éveille-toi. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Là, tu viens d'être le médium d'une voix qui vient d'on ne sait où. Il suffit de parler pour exprimer un esprit. Après, libre à toi de t'autoriser tel ou tel type d'esprit. Le verbe. Invoqué sur terre est une magie. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fonction du cadre légal dans lequel l'esprit se trouve, telle ou telle magie sont répréhensibles par la loi. Tout ça, tout ça. Vous vous rendez compte? Je suis dans une situation où. Vous savez, il y a des gens qui ont des handicaps dans le sens où ils travaillent lentement. Tu vois. Ils ont à cœur de prendre leur temps et de pas être soumis aux contraintes, rentabilité, performance, tout ça. Et le fait d'être dans une société où quand le mec lui dit, non, mais si tu sais, je débute, je suis pas rapide. Ça serait bien que j'en fasse 6 et que tu m'en payes 3. Et là, on est bien, quoi. Ou celle que je. Celle dont tu me fais fin. Je veux bien gagner moins de l'heure. Et tu me laisses 8 heures dans ton champ, quoi. Et le fait de pas pouvoir faire ça parce que c'est illégal. Ça me frustre énormément. En plus, ça veut dire que j'ai un mental qui a du mal à vouloir aller vite sur le travail. Bon, des fois, je m'active, hein, ça va vite. Mais j'avoue que j'aimerais bien prendre mon temps, quoi. Et quitte à faire 2-3 heures de plus, je m'en fous, quoi. Mais. Au contraire, je suis en demande de travail. Ben, je crois que ça, le mec, l'esprit, le gars qui n'arrive pas à accélérer la cadence, qui a envie de rester à son rythme, justement, qu'il soit lent ou rapide, peu importe, j'aimerais être, ne plus être jugé sur le temps que je mets à faire quelque chose. J'aimerais prendre mon temps quand je fais les choses. Grosso merdo. Mais c'est impossible dans ce monde. En plus, je crois que c'est un truc d'autiste, ce que je suis en train de raconter.
Un truc d'autiste de plus à la liste. Il est là, le sournois, l'espiègle malicieux-t-il. Malicieux-le-t-il, petit démon feu follet sur l'épaule. Un jour, nous aurons l'envie de nous lever tous ensemble et chanter, et chanter, et chanter. Mort au patronat, aux salariés, fuck l'aliénation marchande, répandue, répandue dans nos têtes, nous imposant. Toujours ce tiers qui n'est pas que merde, partial à souhait, du côté de ceux qui la nourrissent, du haut de leur pouvoir, usurpé au peuple, aux humains. Pourquoi ne puis-je pas tailler une contre une bière ou deux, sans me faire chier, faire chier, avec tout le préfet et sa merde de loi écrite, imposant la volonté des sourds. J'aimerais tant pouvoir de cette loi qui n'est pas morale. Il est fou celui-là, celui-là. Juste envie de donner à ce monde la folie du bon matin. Juste avant de tailler quelques vignes. Le tout déclaré, déclaré par Big Brother de la vigne. Oh oui, mon garçon, merci de cotiser pour ta retraite. La blague, la blague, la blague. La blague, ce qui est drôle, c'est que si je fais tout ça pour une femme qui à terme deviendra fidèle et un garçon que je verrai un week-end sur deux, j'avoue que c'est plutôt frustrant comme vie. Vous vous rendez compte? Il y en a plein qui se plaignent parce qu'ils ont trop d'heures de travail. Et moi, je me plains parce que j'ai pas assez d'heures de travail. Et je suis même prêt à les faire en étant moins bien payé sur toutes les heures que j'ai fait. Vous voulez pas me laisser tranquille? Je bosse 16 heures par jour à 5 euros de l'heure. Allez, c'est cool.
Bon, allez, 6 ans. À 16h, 5h là, ça fait Ça fait du pas beaucoup, hein. Mais bon. Ce qui est drôle, c'est que ils veulent des heures de travail pour avoir le chômage. Donc 2 heures de peu importe, tu t'en fous. Donc quitte à être payé vraiment tout en bas. Je me demande si c'est même rentable, tu achètes des heures de travail et un mec qui dit il t'a embauché tant d'heures. Ça serait trop drôle, ça. Bon, il faut 930 heures de travail. T'as une entreprise. On est le machin à 16 heures par jour. Ah, il faut deux entreprises. Bon, on fait deux contrats alors à 16 heures par jour de travail. Il faut 10. Ça fait 160. 1, 2. En 40 jours. 640. En 60 jours. De 960. Donc il faudrait à peu près 57 jours. Il faudrait que je trouve un travail pendant 55 jours, 7, et qui me donne 16 heures par mois, par jour. Faut que je trouve deux travails et que je fasse 16 heures par jour pendant 3 mois pour avoir mon chômage. Je me demande combien de cotisations sociales tu payes pour avoir 930 Eh ben, j'ai des longs moments de pause. À quoi tu ressembles de bon matin avec ta tête de péquenaud? Et coucou Corinne. Avec 15 minutes d'avance, j'ai eu des bisous. Mais j'en ai eu 30.